Aujourd'hui, on va voir comment passer en 5 étapes simples d'un accord mineur basique à un accord mineur enrichi qui sonne beaucoup plus émotionnel. Nous allons prendre l'accord de Do mineur comme exemple. Pour enrichir les autres accords mineurs, le Sol mineur, le Fa mineur, etc., je vous ai créé un aide-mémoire disponible en description dans lequel je vous explique précisément la marche à suivre à l'aide de schémas visuels. C'est parti! Voici la manière la plus simple de plaquer un accord de Do mineur. On a trois notes. La première note, qui donne son nom à l'accord, le Do. Cette note se nomme la tonique. Elle va être la note de référence pour construire les autres notes de l'accord. Pour la deuxième note de l'accord, on part de cette tonique et en augmentant cette note de 3 demi-tons, 1, 2, 3, j'obtiens la deuxième note de l'accord que l'on appelle la tierce mineure. Pour la troisième note, on part de la tonique de l'accord et on l'augmente de 7 demi-tons pour obtenir la quinte de l'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au final, on a trois notes. La tonique, le Do, la tierce mineure, le Mi bémol, et la quinte, le Sol. Pour les autres accords mineurs, le principe de construction est le même. Je vous explique tout ça dans l'aide-mémoire disponible en description. Pour obtenir un accord plus riche, on va ajouter une quatrième note à celui-ci. Pour un accord mineur, il est possible de rajouter la quatrième note suivante. La septième mineure, située 10 demi-tons au-dessus de la tonique. Pour l'accord de Do, ce sera le Si bémol. On a alors un accord qui sonne déjà plus riche et plus émotionnel. Do mineur, Do mineur 7. On a déjà un accord à 4 sons, avec la tonique, la tierce mineure, la quinte et la septième mineure. Mais il est possible d'aller encore plus loin en ajoutant d'autres notes que l'on appelle extension. Pour l'accord de Do mineur 7, on peut rajouter les notes suivantes pour enrichir notre accord. La neuvième, aussi appelée la seconde, qui est située 2 demi-tons au-dessus de la tonique. On peut la jouer à l'octave en dessous. La onzième. Aussi appelée la quarte, qui est située 2,5 tons au-dessus de la tonique. On peut toujours la jouer à l'octave du dessous. La treizième. Aussi appelée la sixte. Elle est située 4,5 tons au-dessus de la tonique. Elle peut toujours se jouer l'octave du dessous. Avec ces nouvelles notes, on va pouvoir s'amuser à chercher de nouvelles sonorités pour notre accord de Do mineur 7. Ici, je vous ai détaillé les extensions que l'on peut utiliser sur les accords mineurs. Pour connaître les extensions que vous avez le droit d'utiliser sur les autres types d'accords, les accords de septième majeur, les accords de septième de dominante, etc. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les accords jazz. Tout y est détaillé. C'est bien de connaître les extensions de l'accord, mais encore faut-il trouver des combinaisons de notes qui sonnent bien ensemble. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des positions très utilisées que l'on va pouvoir apprendre pour faire sonner nos accords avec les extensions. Les voici. D'abord, on a les positions de 9e. On prend la tonique de l'accord et on la remplace par la 9e de l'accord. Un ton au-dessus. Cette position se fait souvent avec le premier renversement. On prend la tonique de l'accord et on remplace par la 9e. Il est toujours intéressant de mettre les extensions de l'accord vers les aigus.
Ensuite, on a ce qu'on appelle les clusters. Pour le premier type de cluster, on prend l'accord à 4 sons. On déplace la 7e mineure en dessous. Et on rajoute la 9e. Pour le second type de cluster, on plaque la 9e de l'accord, la tierce mineure, la quarte, la quinte et la 7e. Pour sonner un peu plus dissonant, on a les positions d'empilement de quartes. Pour la première position, on part de la tonique et on rajoute la 11e et la 7e bémol. Pour la deuxième position, plus courante, on part de la tierce mineure, on rajoute la 13e et la 9e. Pour la troisième position, on part de la 11e et on rajoute la 7e mineure et la tierce mineure. Cette dernière position est plus consonante que les deux autres. En apprenant ces positions, on peut facilement plaquer notre accord en utilisant les extensions, sans avoir à y réfléchir. On arrive à la dernière étape. Elle est assez simple à comprendre. Une fois que vous avez appris vos positions d'accord jazz, vous allez pouvoir plaquer une position différente sur chaque main. Par exemple, vous pouvez plaquer un empilement de quartes qui part de la tonique à la main gauche et un empilement de quartes qui part de la tierce mineure à la main droite. Autre exemple, vous allez pouvoir plaquer à la main gauche la tonique et la 7e mineure et à la main droite l'accord en position de 9e. Les combinaisons sont infinies. Pour commencer, je vous invite à apprendre des combinaisons par cœur, puis vous pourrez inventer vos propres combinaisons une fois que vous serez à l'aise. Encore une fois, je vous ai présenté les principes pour les accords mineur 7. Pour les autres natures d'accords, je vous invite à consulter ma vidéo sur les accords jazz. Voilà comment passer d'un accord mineur simple à un accord enrichi. Les principes théoriques peuvent être compris rapidement. Mais ce qui est compliqué, c'est d'automatiser les différentes positions d'accords sur les 12 touches du clavier pour toutes les natures d'accords. Machette, 7e de dominante, demi-diminué, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est pourquoi j'ai créé un logiciel disponible dans ma classe de piano en ligne qui permet d'apprendre ces positions beaucoup plus rapidement et facilement pour être à l'aise derrière votre clavier. En plus de ce logiciel, ma classe de piano en ligne inclut des accompagnements par Skype. Pour en savoir plus, le lien est en description de cette vidéo. Merci d'avoir visionné la vidéo et à une prochaine!